On se retrouve aujourd'hui pour faire une bonne séance de cardio ensemble. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Ballet Rebelle. Pour cet entraînement, c'est super facile, vous n'avez qu'à me suivre. On va faire 30 secondes de travail, suivi à chaque fois de 30 secondes, soit de marche, soit de petite course. Pensez à boire pendant vos entraînements et tout au long de votre journée, c'est très important de s'hydrater. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci d'être venu faire cette séance avec moi. Et surtout, merci pour tous vos super messages que vous m'écrivez. Continuez surtout, j'adore vous lire et je réponds à tout le monde. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, abonnez-vous et cliquez sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La particularité de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo. Pensez de temps en temps à faire un petit tour dans ma playlist Les conseils de Cécile. Allez, on est là pour faire du cardio, c'est parti. Allez, on s'échauffe ensemble pour cette séance de cardio. C'est très important, une mise en route avant de faire du sport. Si vous venez déjà de faire une séance avant, alors profitez de faire quelques assouplissements. Et un petit temps de repos entre les deux, ça fait du bien aussi. Faites des grands mouvements, mettez beaucoup d'oxygène dans vos muscles, dans vos articulations. Inspirez et soufflez très profondément. Allez, on échauffe son buste, son dos. On laisse passer son pied pendant la rotation pour ne pas bloquer son bas du dos. On monte ses genoux de face. Allez, on met du rythme. Et sur le côté. Quelques assouplissements et on va démarrer ensemble par 30 secondes de marche rapide. Allez, on se prépare. Allez, c'est parti. 30 secondes de marche rapide. On cale sa respiration. On trouve son rythme. On va se régaler ensemble, je vous le dis. Cette séance n'est pas très difficile, vous choisissez votre rythme. Celles qui ont de l'énergie et qui veulent courir entre chaque exercice, alors je vous laisse libre de le faire. Et on enchaîne pendant 30 secondes, on garde le bas du corps actif avec la marche et on monte, on descend ses bras qui sont bien tendus sur le côté. Gardez-les fermes, le travail sera plus efficace. Allez, serrez vos abdominaux, protégez votre dos. Grâce à votre respiration, on rentre son ventre et on regarde droit devant. Allez, c'est reparti pour 30 secondes de marche rapide. On est motivé, je compte sur vous pour rester avec moi jusqu'à la fin. Imaginez qu'on est tout ensemble et je suis surtout là avec vous. Prends 30 secondes avec les bras, les coudes sont à hauteur des épaules et je viens toucher ma poitrine avec les mains. On tire bien ses mains vers l'arrière, on continue à marcher avec le bas du corps. Allez, allez, c'est chouette ce que vous faites. Et 30 secondes de marche rapide. Allez, comme je vous l'ai dit avant, si vous voulez faire de la petite course, vous pouvez. Sinon, on reste en marche rapide. C'est une très bonne séance qui peut vous servir aussi d'échauffement. Allez, on y va. Cette fois-ci, on fait un coup de pied avec la jambe droite.
Utilisez vos bras pour trouver votre coordination et votre cadence. Allez, on met du rythme, c'est une séance de cardio, je vous rappelle, on est là pour brûler des calories. Pour nos 30 secondes de marche rapide. Et c'est parti pendant 30 secondes avec la jambe gauche. Tous les trois pas, je mets un coup de pied vers l'avant. Allez, éclatez-vous, on est là surtout pour se faire plaisir. Vous avez bien fait de décider de faire cette séance. Allez, allez, on va au bout ensemble. On ne lâche surtout pas une séance qu'on a eu le courage de démarrer. Et 30 secondes de marche rapide. Allez, allez, on tient le rythme. C'est très, très bien. Sur les bras, allez, on reste active sur les jambes, elles marchent toujours aussi vite. Les coudes sont à hauteur des épaules et cette fois-ci, on bascule une fois à droite, une fois à gauche avec la main qui vient toucher la poitrine. Allez, suivez-moi, c'est génial ce que vous faites. Je vous encourage vraiment à continuer. Et 30 secondes de marche rapide. Allez, c'est très très bien, on continue. Soufflez bien pour ne pas avoir de points de côté. Et regardez le chrono, la séance va passer toute seule. Garde le bas du corps en marche, c'est pas facile sur l'équilibre. On joint ses deux mains, les bras bien tendus devant et on bascule une fois à droite, une fois à gauche. Allez, amusez-vous! Et 30 secondes de marche rapide. Allez, on continue. Bonne nouvelle, on est au bout de la première partie de cette séance. Je vous avais dit que ça passait vite. Allez, allez. C'est super, 45 secondes de récupération. On profite de boire, c'est très très important de s'hydrater. Ça aide à la récupération. Faites quelques assouplissements. On va repartir ensemble pour une deuxième boucle complète. Et on va essayer de garder le rythme pour aller jusqu'au bout. Je compte sur vous encore une fois. Allez, encore quelques secondes. Et c'est parti pour nos 30 secondes de marche rapide. On remet son corps en route après la pause. Trouvez votre rythme, respirez bien. Summer is over, you're on my shoulder, counting the tender lines.
C'est reparti avec les bras. Allez, allez, on continue à bien marcher avec le bas du corps. Les bras sont tendus, on monte et on descend. Allez, on fait l'oiseau, on va s'envoler ensemble. Allez, allez. C'est super, on souffle, mais on continue à rester sur un bon rythme. 30 secondes de marche rapide. C'est les deux mains qui viennent toucher la poitrine. Allez, on tient ses coudes le plus haut possible. Le corps est bien chaud maintenant. Allez, on voit cette ligne d'arrivée. Elle est pas loin. Très très bien, 30 secondes de marche rapide. On s'éclate, vous pouvez être fiers de vous. Et c'est parti, coup de pied, jambe droite. Allez, je trouve ma cadence. On essaye d'accélérer. Allez, allez. Seconde de marche rapide, je tiens bon, allez, je respire. C'est parti pour l'autre jambe. Allez, 30 secondes de coup de pied, jambe gauche. Utilisez bien vos bras, faites travailler tout votre corps pendant ces séances. Et on repart pour la marche rapide. S'amuse, on danse, allez, allez. Les mains viennent toucher la poitrine, une fois à droite, une fois à gauche, on alterne. Et on continue à marcher. On fait travailler sa ceinture abdominale pour garder l'équilibre. Et 30 secondes de marche rapide, on continue. On arrive au bout, on la voit cette ligne d'arrivée, on va la passer ensemble. Et go.
on fait le compas. On fait bien tourner ses épaules, une fois à droite, une fois à gauche. Les bras sont bien hauts. On s'accroche, regardez le chronomètre. Et c'est nos dernières 30 secondes de marche rapide. Allez, allez, c'est trop bien. Bravo, très belle séance que vous venez de faire. Mettez-moi un like si vous avez aimé cet entraînement. Faites quelques assouplissements avec moi. Et si vous avez envie de continuer, alors on peut enchaîner sur cette séance pour les bras. Elle complétera très bien celle-ci. Sinon, on n'oublie pas de faire ces étirements. C'est un très bon retour au calme. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez au maximum tout autour de vous. Les belles et rebelles sont tellement nombreuses, c'est génial, je suis super heureuse, merci à vous. Prenez soin de vous et surtout restez belles et rebelles. À très vite, bye.